L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, aujourd'hui Emmanuel Macron est à Bruxelles pour demander des assouplissements pour nos agriculteurs. Alors assouplissement dans la PAC, la politique agricole commune, mais aussi dans le volet agricole du Green Deal qui est devenu un petit peu l'épouvantail de nos agriculteurs. t il de si terrible ce Green Deal mais le Green Deal, Dimitris, n'est pas seulement l'épouvantail de nos agriculteurs. Le Green Deal, c'est un engrais magique pour faire pousser les populistes partout sur le continent. Le pacte vert non français du Green Deal, c'est un plan initié par Ursula von der Leyen en 2019 qui doit permettre à l'Union européenne d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Ce plan concerne toutes les filières de l'économie l'industrie, les transports, l'énergie. Et donc l'agriculture. Le volet agricole du Green Deal, c'est ce que l'on appelle farm to fork, c'est-à-dire de la ferme à la fourchette. On devrait plutôt dire de la ferme à la disette, parce qu'il s'agit d'une politique décroissante à marche forcée, qui, si elle était appliquée, obligerait le gouvernement à réduire de façon autoritaire les cheptels, les cultures, et même à revenir sur des permis d'exploitation déjà délivrés. Dominique Régnier, qui est l'un des premiers à avoir prévenu des effets explosifs de ce pacte, y voit une perte du patrimoine matériel après la perte du patrimoine immatériel. Le patrimoine immatériel, c'est le style de vie menacé par la globalisation uniformisatrice et les effets culturels de l'immigration de masse. Le patrimoine matériel, c'est la ferme que l'on habite, les champs que l'on cultive, les bêtes dont on s'occupe, que la politique publique, avec ce plan, menace directement. Bon, il faut le dire aussi, Vincent, ce pacte vert, pour le moment, il n'est appliqué nulle part. Non, pour le moment, il n'y a pas de logique législative ou réglementaire contraignante. Mais si le processus se poursuit et arrive à son terme, ce sont les moindres détails de la vie quotidienne qui seront soumis aux injonctions de ce pacte. C'est pour cela que les tracteurs que nous voyons à Paris ou à Bruxelles ne sont que l'avant-garde d'une révolte sociale qui se prolongera nécessairement sur deux éléments de la vie quotidienne, la maison, et la voiture. La maison, avec le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, que Gabriel Attal a dit vouloir simplifier, et qui pour le moment est un cauchemar kafkaïen pour les maires, les propriétaires et les locataires, un mauvais DPE peut réduire fortement la valeur d'un bien immobilier payé à la sueur de son front. Puis après la maison, c'est votre voiture. Hein. C'est à votre voiture que l'on s'attaquera avec en 2035 la fin pour les voitures neuves du moteur thermique. Et déjà, les centres-villes ferment leurs portes à ces moteurs polluants. Les dépossédés de Christophe Guillouis le sont chaque jour un peu plus. Cet agenda tyrannique et intenable donne à l'Union européenne un visage autoritaire. Et c'est la même Europe qui est plus faible que jamais dans la défense de ses frontières. En d'autres termes, l'Europe est intraitable sur l'écologie. Elle est introuvable sur l'immigration. Mais Emmanuel Macron a affiché sa volonté ces derniers jours hein, d'obtenir des dérogations. Oui, mais c'est repousser le problème de quelques mois alors qu'on l'avait devancé euh, en intégrant déjà dans les lois françaises des éléments de ce pacte. On a l'impression, à dire vrai, que la politique consiste aujourd'hui sur tous les sujets à repousser le problème de quelques mois. Le slogan du pouvoir pourrait être après les JO le déluge. Et c'est pas un problème de dérogation, c'est systémique et c'est démocratique. Systémique parce que ce pacte vert est la matrice de toute la politique européenne. Démocratique parce que les peuples n'ont pas été consultés ni sur le rythme fou de cette transition écologique, ni sur le bouleversement démographique provoqué par l'immigration. Il est donc fort probable. Que les électeurs se vengent le 9 juin lors des élections européennes. Ce sera le dernier volet du Green Deal de Madame von der Leyen, de la colère au bulletin de vote. Signature Europe, hein, l'édito-politique. Euh, merci beaucoup, Vincent Trémolet de villers qui met à la une du Figaro ce matin. Ce que les agriculteurs veulent obtenir de l'Europe, et vous on, le, on entend très clairement dans leur bouche, c'est un peu plus hein, que des dérogations, comme vous nous l'avez fort bien dit.